cette soirée est un peu spéciale parce que il y a parmi nous des professionnels, et des distributeurs notamment, et qui vont être très très attentifs à la réaction de vous, public, par rapport au film que vous allez voir. Et je pense que c'est quelque chose qui va compter pour eux et au moment de décider si oui ou sinon ce film, et ils peuvent le prendre pour le sortir plus tard ici en France. Donc voilà, sachez-le. Quelle responsabilité. Si no lo compran es culpa vuestra, y si lo compran es gracias a nosotros. Alors, je voulais remercier nos partenaires, Assoas Palmerio, Patrick Bernabet pour Cine España de Toulouse. Alors, je ne vais pas vous raconter les 200 films programmés, les 147 invités cette année, ça serait trop long. Le mieux, c'est d'aller sur le site de Ciné Latino, vous tapez Ciné Latino, et vous avez l'ensemble des choses de cette année. Donc, vous dire simplement qu'à Toulouse, depuis 25 ans, cette année, donc on organise un festival qui est les rencontres de cinéma avec la ville de Toulouse, Ciné Latino. Des informations qui parlent des rapports à ceux qui ont fait les mêmes, des cinémas qui parlent du rôle de l'utilisation, beaucoup autres. Bien, eh bien, bonsoir. Moi, je voulais tout d'abord remercier José, qui pour la deuxième année donc, fait une soirée à Paris dans le cadre d'Espagnola San Pasi pour présenter le film qui a été primé à Toulouse, qui a reçu la Violette d'Or. Voilà. Donc je te remercie beaucoup. Donc nous, c'est un peu les mêmes projets que l'on a que de Ciné Latino et de Espagnola San Pasi, c'est un peu aussi, puisqu'il s'agit de présenter le maximum de films qui n'ont pas été distribués en France, que ce soit en édition, Panorama. Et à côté de ça, nous faisons des rétrospectives sur des réalisateurs, sur des acteurs ou des thématiques particulières. Nous avons également, donc, comme un peu, parce qu'on est un festival généraliste, des courts-métrages, des documentaires, etc. Donc, ça se passe tous les ans au mois d'octobre, première semaine d'octobre, depuis 18 ans maintenant. C'est la première fois qu'un jury de chez nous donne la Violette d'Or, qui est le prix le plus important donc, de notre palmarès, au même réalisateur, à Javier Rebollo. Et je crois que c'est à lui de descendre. Sensationnel, José Sacristán y Roxana Blanco. Et les deux, on a failli les avoir aujourd'hui et les deux ne sont pas venus pour la même raison, c'est que les deux sont au théâtre. Et José Sacristán en Espagne, Roxana Blanco à Montevideo. Roxana nous a fait parvenir un message. J'ai demandé à Omar Mesa, l'ambassadeur de l'Uruguay, si vous ne voulez pas venir lire ces messages parce que le film est formidable et le film aussi. Seigneur ambassadeur. Rosana, j'espère que je parlerai comme Rosana, moi. Tu vas costar. Bon, merci à tous d'être ici. Merci à mes amis parisiens, toujours présents. Merci à celui qui aujourd'hui m'est prêt de sa voix pour lire sa tête, ce lion. Merci à José Noja, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à José Sacristán pour ta modestie, ton talent et ton accompagnement. C'est absurde. Merci Javier Rebollo pour l'amitié que tu me portes, pour la façon dont tu me diriges en douceur et avec autant d'intensité que de génie. Merci Javier de m'apprendre à être heureuse en faisant du cinéma, même si aujourd'hui je t'ai trahi en faisant du théâtre. Je vous souhaite à vous tous d'avoir autant de plaisir à regarder tes films que j'ai à les faire. Voilà, ce sont les mots de Rosane. Je vais te passer la parole. Je vais te donner quelque chose que tu avais oublié à Toulouse. Il se trouve que lors de la soirée de clôture, quand on a remis le prix à Javier, et bien on est allé faire la fête après. J'ai fait la fête plus dur. Et le prix, c'est-à-dire donc
la violette d'or, mais il a été oublié dans un bar. Et je trouve que c'est, il n'y avait pas de meilleure occasion aujourd'hui pour te le rendre. Quand j'ai gagné la Concha de Plata au meilleur réalisateur à Saint-Sébastien, il y a des années, j'ai essayé de changer la Concha de Plata quand les jours, comme il va, pour un verre du vin. Los vascos no me dejaron. Il faut que le film parle pour lui-même. Solamente je vous dire que quand je l'ai tourné, je ne le tourné trop sérieusement. Je l'ai fait sans importance, non? Comme si c'était sans importance. Et j'espère que quand vous le regardez maintenant, vous le verrez comme je l'ai fait, sans importance. Es la tercera película que hago con Jérôme Vidal. Es el troisième film que je fais avec Jérôme Vidal. Gracias, Jérôme. Merci. On va faire encore plus. Vamos a hacer más. Y todas han gustado y han salido en Francia. Y tous les films ont aimé et sont sortis en France. Donc, on va continuer. On va boire. Il nous a apporté une petite surprise, un petit cadeau. Tu veux dire un mot là-dessus ou... Hier soir, más rápido. Anoche estuve bebiendo con José Sacristán. Y le filmé un poquito, dándole las gracias a ustedes por estar aquí. Pour moi, c'est le plus grand comédien espagnol aujourd'hui. C'est le Jean Rochefort, je crois, espagnol. En fait, José Sacristán a piqué la Concha de Plata, meilleur comédien à Saint-Sébastien, à Jean Rochefort. Voilà. On va les bois. Donc vous avez les bois et on enchaîne après avec le film. On se voit après le film pour trinquer avec un à la santé de la de los hermanos Marx. ¿Cómo se llamaba la de los hermanos Marx? Ay, Margaret... la de los hermanos Marx, joder, la que le tomaba el pelo todo el rato el Groucho. Este es Dan Turgea. El malo de la serie B. Barry Fitzgerald. De John Ford. Barry Fitzgerald. Y este es... es JR, ¿no? No. No es JR, no. Jack Hawkins. Edward Herbert Horton. Walter Houston. Esa te la digo yo. Espérate, no me la digas. Me la digo yo, que sí me la sé. Cállate. Celeste. Holm. Y para los franceses, ¿nos dices Ed algo, Bagley, Pepe? Este es Ed Begley. A los franceses. Lamento no poder estar con vosotros por razones de trabajo. Pero quiero, de entrada, manifestaros mi agradecimiento por vuestro interés por una película tan... formidable, tan maravillosa y de la que me siento tan orgulloso como es El Muerto y Ser Feliz. Ya hasta ahora me ha producido, me ha facilitado un sinfín de satisfacciones, empezando por el hecho simple de haberla rodado y de haber conocido al que, bueno, del que presumo hoy ser un muy buen amigo, Javier Rebollo. Confío en que el interés que despierte esta película sea el mismo o parecido que despertó en mí a la hora en que me fuera ofrecida. Muchísimas gracias y, bueno, espero que nos podamos volver a ver en otra ocasión. Y que viva el cine libre. Viva el cine libre, el cine independiente, el cine de riesgo, por muy amenazado y en peligro. ¿Por qué no quieres enseñarme las tetas? Quiero un desierto y ahí de arena, pena, pena de mi corazón. Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pederna. Hacer una road movie que uno conduzca. Moi je ne conduis pas, c'est vraiment un gag de faire un road movie alors que je ne conduis pas. Yo siempre iba detrás
Passé mirando comme un niño. Moi j'allais toujours derrière et je regardais comme un petit enfant. Y eso es lo que hace la cámara, acompañar, y el paisaje se desplaza. C'est ce que je faisais, et c'est ce que la caméra fait, donc accompagner, et le paysage qui... Je pensais à beaucoup de littérature, mais je pensais à Borges, même si je pense que c'est quelqu'un plutôt antipathique. Uno de sus cuentos más bonitos se llama El Muerto. Un de ses contes les plus, plus beaux s'appelle Le Mort. Y es verdad, está, me gusta lo que dices de que él hacía historias falsas reales, o historias reales falsas, ¿no? Y la película habla de eso, ¿no? De un falso mito, de un... Parece a ratos un documental, al rato parece una narración épica, tiene un género incómodo que yo creo que a Borges lo hubiera atraído. Y sí, en Argentina... Me ver cómo has trabajado el personaje con el sacristán. Henry Hathaway decía que las buenas voces han acabado con más actores que lo mismo. Había un micrófono cerca de él, por lejos, su voz lo atrapaba todo. Aunque hubiera cualquier actor al lado, él engulle cuanto le rodea. Il y avait un micro pas très loin de lui, ou même assez loin, mais finalement c'était lui que le micro attrapait, c'était sa voix. Entonces, yo intenté esconder a Pepe Sacristán. Alors moi j'ai essayé de le cacher justement plutôt. Et travailler avec des choses que je n'avais pas fait habituellement, travailler avec ses silences, avec les babas, avec la espalda, avec son cuerpo. Il était un acteur de la palabra en le cine espagnol. Et le hicimos travailler avec des éléments qui sont plus propres du cine moderne, ¿no? Le cuerpo, le sudor. Físico más que la palabra. Y moi, ce que j'ai voulu lui faire travailler, c'était les silences. Plutôt travailler avec son corps. Alguien tan grande, con tantas películas, con tanta cultura, con tanta preparación, ¿cómo, por supuesto, no hables de Stanislavski? ¿Cómo le dices lo que siente, y más en una película de esa naturaleza? Al final le diriges como Fernán Gómez, otro grande del cine español, dirigía, de manera marxista, yo soy un marxista, de manera materialista, más rápido, más alto, más flojo, más despacio. Pero ¿cómo se dirige a Pepe Sacristán? ¿Cómo se dirige a Jean Rochefort? Trova me decía que no dirigía a Jean Rochefort. Yo no he dirigido a Sacristán. Y no dirigir ya es una manera de dirigir. De verdad. Et comment vraiment diriger Pepe Sacristán et Jean Rochefort aussi, justement. En cambio, la uruguaya, Rosana, que es la Catherine Deneuve de Montevideo, si la llama la prensa allí, ahí sí puedes dirigirla como una partitura, con cada gesto. Cada gesto de Roxana es un gesto medido. Eso has hecho dos películas conmigo. Muy bien. Pero eso, ¿os ha gustado el Gusa de Me, le comedian? Vale, sí, le comedian se interesa, ¿no? Si vous savez aimer les comédiens, les paysages, vous savez aimer les films. Mais les films, c'est inconfortable, parce que l'inconfortabilité, c'est aussi un sentiment cinématographique, ¿no? C'est aussi un sentiment cinématographique. Hay un sentimiento que tiene que ver con lo que me gusta a mí, que es la incomodidad física, ¿no? Que a veces la película te puede agredir, y eso es un sentimiento que se disfruta también de otra manera. Hay películas que te acunan como un niño y te hacen sentir muy inteligente, y cuando sales te sientes muy inteligente, te sientes muy seguro, ¿no? Como las películas de Ken Loach. Tienes seguro el mensaje, las películas de Ken Loach. Y otras películas que te hacen sentir más incómodo, ¿no? Que te revuelven, que dices, coño, ¿y estos tíos? Como las de Mike Leight. A ver, los parisiens, que son tan cinéfilos, a ver. Los parisiens, que son tan tellement cinéfilos, vous devez savoir, vous connaissez ce gag. La película de... ¿Perdón? 5 millones. También.